À part le concert du 28 avril, donc c'est-à-dire aujourd'hui vendredi 2023, d'accord, sur Paris, pour le concert Emmanuel, en tout cas le couple Atom Smooma vous annonce encore une très bonne nouvelle. Le samedi 6 mai, Palais des Congrès à Paris, toujours là, pardon si vous manquez, c'est-à-dire que vous avez un problème, t'as un problème. Donc, le 6 mai, ça va chauffer sur Paris. Le couple David Junior est déjà là, sur place aussi. Ils sont en train de savourer Paris. En tout cas, Paris, et ça, la bien, moi, tout, moi, Champs-Élysées, moi, Nini, moi, Tour Eiffel. Y a la diatonce de ça. Non, mais le couple Atoms, franchement, bravo pour ce programme. Concert Emmanuel Tour, oh là là, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Alors, si vous n'avez pas encore acheté vos billets, vous comptez vraiment y aller ce soir, n'hésitez pas à aller sur leur page, vous allez voir les détails et tout, le lien pour acheter les billets. Même en dernière minute, Yaya, c'est faisable, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. En attendant, la date, une nouvelle date vient d'être confirmé encore une fois, le 6 mai, d'accord, Palais de Congrès à Paris toujours. Voilà, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vais pas trop parler, je vais vous laisser la place pour suivre les autres vidéos parce que les répétitions, ça a déjà commencé, l'équipe est déjà là. Pasteur Atom Zimnombo Ebi Kara, fidèle à sa guitare, ya. En tout cas, nous avons ça, nous avons continué à battre là. Bravo à l'équipe, bravo homme de Dieu, bravo notre frère David Junior ainsi que sa femme. Très beau couple. En tout cas, savourez Paris, pardon, ça la cas bien. Zombé na lola, moi ma photo, ya, ma du wapi. Alors, je vais vous laisser, je vous laisse les images. On se retrouve juste prochainement. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, moi c'est Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. Commencez déjà à vous abonner, il y a de l'espace pour tout le monde. Moi je vous aime énormément. Je vous souhaite déjà un très bon début de week-end. Que Dieu nous accompagne. Allez. Ok, donc, shalom à tous. Je sais pas quelle heure il est partout là, il est quelle heure ici quand vous êtes en hiver, ça peut être bizarre. Hein? Il est 11h36. Ah, il est 11h36. On venait d'atterrir il n'y a pas longtemps, donc les équipes arrivent déjà pour les concerts qu'on a ici. On va commencer déjà ce 28. Le 28, ce sera vendredi. Ce vendredi 28 avril. On est déjà sur Paris, en fait, c'est ce qu'on essaie de dire. On est déjà sur Paris. Alors, maman Nadège, bien sûr, moi, Atom Smooma. David Junior. Donc c'est la première équipe qui est déjà arrivée. Donc nous sommes très très heureux et nous savons que ça va bien se passer. Dieu va nous faire du bien. Ça sera de bons moments. On espère pouvoir avoir toute l'équipe comme on l'a pensé. Ça sera vraiment des temps de louange. Je sais que certaines personnes ont commencé un peu à hésiter en se disant est-ce qu'ils vont vraiment venir sur Paris, est-ce que ça sera vraiment réel. C'est fait. Donc si vous n'avez pas encore pris votre rendez-vous pour MLK, il est temps d'aller rapidement prendre les quelques billets qui restent. Parce que je crois que le temps de commencer à faire une petite ronde des églises pour dire bonjour qu'on est là, j'ai craint fort qu'à ce moment-là, il n'y ait plus nécessairement de billets. Donc, allez voir dans l'église Sepp, à l'église la parole du salut, et cité des adorateurs. C'est déjà des endroits où on peut trouver des billets. Tant pour le concert de y a pas, ouais, y a pas que Paris, hein, il y a aussi Tours. Tours, c'est le 6 mai. Nous serons là le 6 mai, ouais. À Tours. Donc, nous confirmons, ce sera tour à tour. Ça commencera d'abord à Paris. Ça commence à Paris, ce 28 avril. Et le 6 mai, ce sera à Tours. Donc, nous sommes là et nous allons passer des très bons moments ensemble parce que nous croyons que le Seigneur a voulu ces temps, que ce soit à Paris, que ce soit à Tours, pour que nous retrouvons. Parce que le Seigneur a un plan. Et nous croyons que Dieu va vraiment accomplir des choses extraordinaires dans la vie de tous ceux qui viendront passer ces temps avec nous. Voilà, très 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 bonne journée à vous tous. On va essayer de se débarrasser de nos fatigues des voyages. Très facile. Et de prendre la force pour continuer des moments ensemble avec vous. Dieu vous bénisse.
Dans notre rubrique les news Yassika. Quand Dieu passe par vous pour vous révéler un message, vous révéler une situation ou un événement qui doit se produire, la première des réactions qu'il attend de vous, c'est la prière, c'est l'intercession. Parce qu'il est possible que tout ce que Dieu vous a révélé ne soit pas forcément en train de vouloir arriver, mais il vous l'a révélé justement parce qu'il veut que quelqu'un se tienne à la brèche afin qu'en priant, la décision soit changée. Donc quand vous voyez quelque chose aussi imminent et effrayant que ce soit, sachez que votre prière en tant que prophète et intercesseur peut changer les choses. Donc prophétique égale intercesseur. Dieu vous bénisse. Votre cœur d'intercesseur vous ouvre les portes du prophétique. Plus vous portez les fardeaux des autres dans la prière, plus Dieu a la facilité, l'aisance de pouvoir vous révéler des choses les concernant. Ça se déroule souvent dans ces deux phases. La première phase, c'est que vous êtes en train de prier, Dieu vous révèle des choses en fonction de ce pourquoi vous priez et vous êtes prophétique. Mais la deuxième phase, c'est que Dieu peut vous révéler des choses. Les choses qu'il vous a révélées vous poussent dans la prière. Dans les deux cas, quand vous êtes prophétique, vous devez être intercesseur. Et quand vous êtes intercesseur, vous êtes prédisposé à devenir prophétique. Dieu vous bénisse. Probablement représenté. Je suis apaisé. Emmanuel, 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 Zambi, Zambi, Zambi.
Oh, oh, oh.